Le milieu de terrain de Brighton, Carlos Balba, a été présélectionné par Marc Brie pour les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en juin prochain. Une nouvelle qui a réjoui de nombreux analystes et spécialistes du football camerounais, mais qui reste encore incertaine. En effet, le père de Carlos Balba, qui est le principal décisionnaire, serait contre l'idée de voir son fils rejoindre les Lions indomptables pour le moment. De plus, la guerre entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football, FECAFOO, suscite des doutes chez le clan Balba. Il ne voudrait pas que le jeune joueur de 20 ans intègre la sélection dans une atmosphère de tension. Il y a quelques jours, les voyants étaient au vert pour une première convocation de Carlos Balba chez les Lions indomptables. Cependant, la situation actuelle pourrait pousser le joueur à décliner une nouvelle fois la convocation, comme il l'avait fait en 2023. À l'époque, il avait expliqué vouloir se concentrer sur son amélioration en club avant de venir en sélection. Un manque de stabilité au moment de la publication de la liste finale de Marc Brie pourrait également avoir des conséquences sur la convocation de Carlos Balba. En somme, la présence du milieu de terrain de Brighton chez les Lions indomptables en juin prochain est encore loin d'être acquise.